si fourchette et sac à dos nous entraînent sur l'île de la Réunion pour découvrir son histoire et son caractère. Alors on commence par une petite balade de santé sur la coulée de lave 2007 du volcan Le Piton de la Fournaise. Et puis ensuite, eh bien, on va s'enfoncer dans le pays, enfin plutôt dans le département, pour aller à la rencontre de la population, très chaleureuse et surtout d'une cuisine extrêmement parfumée, pas trop pimentée. Et je peux vous dire ici qu'il n'y a pas que les marmites qui frissonnent. C'est chaud. Kakouk est mon premier guide dans l'île de la Réunion. Il pratique la tisannerie, l'un des plus anciens métiers de l'île. Il m'entraîne sur son lieu de travail, la forêt de l'Entre-deux. Ici, la phytothérapie est une affaire très sérieuse et cela me vaut l'une des plus belles balades de mon séjour. Et toi, tu es l'équivalent d'un... un guérisseur, un homéopathe? Non, pas guérisseur, parce que souvent guérisseur ou même tisaneur prend un nom péjoratif chez nous à la Réunion. Ils passent un peu pour des charlatans, c'est ce que tu veux dire. Mais moi je suis tisaneur de forêt et je suis anti-tisaneur. C'est-à-dire que je vais en forêt, je récolte des plantes et je prépare les dosages pour pouvoir vendre aux gens les tisanes. Nous, on est tisaneur de père en fils. D'accord, ça, c'est du bouche à oreille en fait. C'est du bouche à oreille. La confiance se fait comme ça. Oui, d'accord. Et en fonction des résultats qu'on a. Là, par exemple, ici vous avez. Un joli cœur. Un joli cœur. Oui, c'est un appel, le joli cœur. Le mangue. Bon pour le cœur? Non. Elle sent la mangue. La mangue? Oui, elle sent la mangue verte. La carotte. La mangue carotte. Ah oui. Et ces feuilles utilisées contre l'acné, contre des maladies de la peau, le psoriasis, l'eczéma. En fait, joli cœur, parce que quand on avait l'acné, on prenait sa tisane, par exemple. Ensuite, on pouvait séduire des jolis cœurs. Exactement. Là, ça glisse. Pas le pied sur le... Non. Oups, excuse-moi. Tiens ça. Alors, attends, là, je vais faire un petit pas de deux. C'est, hop, c'est, hop, comme hop. C'est comme ça. Le milieu forestier, c'est physique. La progression est difficile. Ah ben là, oui. Faut jamais toucher une branche qui est pourrie, qui est sec. Ah, d'accord. Prends un arbre qui est vert. Ah, d'accord. Je peux... Pardon. Toutes celles qui cherchent un tarzan, je conseille un petit stage accéléré à l'île de la Réunion. Voilà. Là, tu as la fraise des bois. Tu vois, même le fruit, tu peux le manger. Donc là, le fruit tout petit, hein, mais... C'est quand... comme chez nous? C'est le même goût? Ah, ça, le goût est différent. Mais en fait, il est souvent plus sucré. Tu vois, tout petit, là, mais il y a du parfum. À la Réunion, on l'utilise tout ce qui est au problème vaginal chez la femme. Mais surtout, tout ce qui est lié au problème des pertes blanches, des infections urinaires. Ah. Super. Et là, on va faire bouillir l'ensemble du pied. L'eau devient rose comme la fraise. Et ça a le goût de la fraise. Ah. Bon, mais en même temps, moi, ça va. Toi, ça va? Ouais. Bon, bah alors, hop. Avec un... Je le prends quand même, parce que... Voilà. Là, on est à bois piqué. Oui, ici. Piqué par quoi? Des termites? C'est comme c'est une sorte de coléoptère. Et ça, tu fais des infusions avec les coléoptères? Ah non. Là, on récupère la larve, on la mange. Ah bah, je suis pas loin du compte. Et c'est un... Comment? C'est un plat de choix, toujours chez nous. Oui. On mange les larves, donc, et on appelle ça les endettes. Tu vois, celui-là? Oui, je vois. Mais là, c'est un tout petit. C'est ça, en fait, nous, pour le manger cru, donc on le vide. Bon, on le vide de son bois. Tu retires quoi, là? Je retire le bois, parce qu'il bouffe le bois, avant qu'il devienne un ton. Allez, mange. Non, mange, goûte. Eh, vas-y. N'hésite pas, du moins. Il est super bon, lui. Oh, je peux même pas le toucher. Tu mets dans la bouche, ou pas? T'es dingue. Non, tu m'as pas vu. Ah, celui-là, il est bien. Ah, c'est tu veux pas goûter? C'est mon jour de chance. Si. Mais il n'y a plus un mec qui va vouloir m'embrasser après cette séquence. C'est là qu'il va vouloir t'embrasser. Ouais, parce qu'il est super bon. Tu regardes? Oh, et puis j'avais pas vu sa petite tête. Là. Allez, mange. Oh, eh. Mange, tu vois, il est super bon. Ah, c'est horrible. Ah, non. Tu fais comme ça, là. N'a pas une vierge? N'a pas une vierge? Ah, je prends un petit bout. Non. Pas à côté de la... Non. Je mange du côté de la queue. Allez, mange. Allez, mange. Mais non! Ah, mais ça bouge encore! Eh, regarde celui-là. Et tu vois, celui-là, il n'a plus de bois dedans. Ça, quand tu manges, c'est un goût de lait. Allez, mange. Croque, croque. T'as vu, il est bon? Ah! Mais non! Au gros, mange un truc derrière. T'as pas du pain. Toi, tu l'as mâché, moi, je l'ai pas mâché. Du coup, il bouge à l'intérieur. Je suis sûre. Bon. Je le sens. Bon, tu me fais une petite tisane pour le... D'accord, pas de problème. Alors, tu me fais circulation, parce qu'avec la chaleur, oui. J'ai l'impression de gonfler. Oui. C'est celui-là. Quoi, c'est ça? Celui-là, oui. Le bois tu qui... m'en fais une? Oui.
alors montre-moi. Ben là, c'est... Ah oui, c'est tout rouge, on dirait de l'hibiscus. C'est fait en décoction, donc là, il a libéré tous ses vertus. Alors pour que ce soit vraiment actif, il faut en boire quoi? Un bol par jour? Donc chez la femme qui arrive à l'époque de la ménopause, oui, mais là, elle est... Mais il est bon à boire, t'inquiète pas. Contrairement... C'est amer, hein? Non, il est pas amer. Ah bon? Et ça, c'est plus amer, alors, ah, oui, là-bas? Oui, oui. Bon, ben là, c'est vrai que j'ai mis le paquet, hein. Oui, je vois ça. Hein. Tu t'es dit qu'il fallait que je dégonfle. Ben, comme ça, concentré comme ça, il va dégonfler. Bon, pour les vertus, on va voir demain si j'ai des jambes de gazelle. Alors moi, tu sais que j'ai fait des tisanes aussi, oui, en mélangeant des choses, mais moi, c'est vraiment pour le goût. Un peu d'eau bon chaude. Okay. Oui, tu m'apportes une petite casserole comme d'accord, ça, bon, et je fais ma mixture. D'accord, je ramène ça. Merci. L'occasion était trop belle de faire goûter à un professionnel mes infusions maison. Pour ce voyage, j'avais improvisé un mélange de réglisse, de gingembre, de baie de genièvre et de grains d'anis. Sans le vouloir, je mettais Kakouk à l'épreuve. Alors, tu sais quoi? Tu vas essayer de deviner le goût. Et ça vient d'où, ça? Ça vient de chez moi. Ah non, mais tu sais que moi, quand je voyage pas au hasard, hein. J'emporte tout un tas de trucs. Voilà. Déjà, il y a la couleur, c'est bon signe. Ça, c'est une infusion. Il y a l'odeur. Ouais, c'est une infusion. C'est pas très très infusé parce que c'est vrai que c'est un peu rapide, oui, mais là. Si, c'est bon, il y a du goût. Hein. Il y a du goût et de la couleur. Ben, il y a quoi là-dedans? Ha ha! L'avène? Non. Non, mais le mélange de la réglisse avec l'autre épice, ça peut faire ça. Citronnelle? Non. Cannelle? Non. En tout cas, c'est super ton truc là. C'est vrai, ça te plaît? Ah ouais! Ah ben je te le laisse, hein. D'accord. Il est pour toi, moi j'en ai une caisse entière, j'en fais tout le temps. Mais il est pas mal, hein. Bah, allez, on chine. Je poursuis ma route en direction de Saint-Denis. Les attraits de la ville la plus peuplée de l'outre-mer ne manquent pas. Outre les monuments coloniaux, on trouve un condensé de toutes les populations de l'île. Malgaches, indiens, africains, mauriciens, blancs, asiatiques. Au marché du Chaudron aussi, les influences se mêlent. Moi, j'y retrouve Doria, une mère de famille, excellente cuisinière et restauratrice à 16 heures. Ah, monsieur, comment ça s'appelle, les fleurs, là? Pardon. Est-ce que vous êtes Doria? Oui. On m'avait dit une robe blanche, on m'avait pas dit une si jolie fille. C'est moi, c'est moi. Bonjour, Doria. Bonjour, Julie. Enchantée. Toi, tu viens à quelle fréquence, ici? Ben, une fois par semaine, au moins, par semaine. Pour ravitailler ma petite famille. Ah. Avec des produits. Une grande famille? Oui, on peut dire qu'on est, à 6. Alors, tiens, là, ça c'est intéressant, Julie. Je vais te montrer. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est le tijac. C'est le tijac, voilà, c'est ça. Le jacquier, là. Le l'arbre, le fruit du jacquier. Et alors, et ça, c'est un légume d'autrefois. Madame, bonjour. Les anciens qui nous ont appris ça. C'est ce que vous appelez les légumes longtemps? Légumes longtemps. Le tijac, elle fait partie d'un légume longtemps. Ça s'écrit L-O-N-T-A-N. Longtemps. Longtemps, oui, c'est ça. Mais c'est, voilà. Je l'ai vu écrit comme voilà, ça, c'est pour voilà, ça que je me demandais d'accord, ce que c'était. Okay. J'aime bien la technique, hein. Avec deux couteaux. Hein. T'as vu, là? Ah ouais. Pour gagner du temps, fort, pour aller plus vite, oui, aussi. Mais comme il est large, du coup, il y a la surface. Voilà, voilà, c'est ça. Très, très fort, ça. Ouais. Et je peux essayer, moi, de couper un peu? Ça va couper demain, ça colle, hein. Ah bah non, deux. T'es sûr, vous êtes capable? Ah, non, on va voir. Je vais y aller tout doux, hein. Alors, on tient là, c'est ça? Avec les doigts à l'intérieur, hein, comme quand on est mince. Voilà. Ah, il faut tourner, c'est ça? C'est très marrant, votre truc. Surtout, on pourrait faire ça, nous. Avec l'oignon, mais c'est un petit peu petit, quand même. Oh, dites donc, vous devez être musclé, quand même, hein, non? On va mettre Julie derrière, alors, pour faire ça. Allez, on fera un bon Légumes et piments d'Amérique, bouchons créoles ou samoussa indien, coco local que l'on mange sèche ou dont on boit l'eau lorsqu'elle est fraîche, le marché de Saint-Denis concentre tous les trésors de l'île et reflète cet incroyable métissage qui lui donne son nom. La canne à sucre. À grignoter. Surtout retrouver le plaisir de mâcher la canne. Parce que tu peux le mâcher comme ça et puis tu auras le jus qui va venir. Ah, c'est bien ça, ça me plaît beaucoup. Des bonnes dents, ça. Je vais te montrer comment en fait tu prends. Et tu mâches comme un chewing-gum. Ah, tu mâches vraiment, mais tu avales? Non. Comme un chewing-gum, tu avales que le jus. Ah, jusqu'à ce que ça ait libéré tout le jus. Et là, tu as le pur jus de canne. Mmh. Et une fois que tu auras plus de jus, tu craches. Tu rejettes la paille. C'est bien de remettre ça comme ça sur les marchés parce qu'il y a beaucoup d'enfants de maintenant qui ne connaissent pas qui ça. Qui ne connaissaient pas, non, et qui, plutôt que de manger des bonbons maintenant, ben voilà, ils découvrent le plaisir de ce que tu goûtais toi quand tu étais petite.
Là, on arrive à la fin du marché. On va aller voir les animaux. Je t'emmène, tu veux. Ah, les animaux, sur pied. Ah oui, il y a des poules, des canards. Et alors, quels sont tes critères de sélection? Explique-moi un peu. Ben, il faut qu'elles aient une bonne tenue. Ça, c'est des poules qui étaient sûrement fermées en batterie. Tu vois, elles sont faibles sur leurs pattes. Elles sont faibles sur leurs pattes. Oui, elles sont pas. Tu sens qu'elles n'ont ça, pas couru. Ça, c'est une bonne poule, ça. Ça, c'est une poule pays. Il faut qu'elles soient un peu plus musclées. Voilà. C'est ça, que les ongles soient un peu abîmées. C'est la preuve qu'elle a couru. Et alors, en revanche, quand les plumes sont. Quand elles ont perdu leurs plumes, c'est qu'elles ont été élevées en batterie. Ah, élevées en batterie. Ou c'est vrai sont... que ça, au supermarché, on le voit pas. Voilà, c'est pas pareil. Ouais, ça, je suis ça, au supermarché, tu peux pas voir. Tu peux voir ça que sur un marché. Eh ben, en tout cas, c'est beau les poules, mais c'est con. Hein. Allez, oh, enlève ta patte. Oh là 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 là. Cela dit, je serai à leur place, je serai un peu tétanisée. D'accord. C'est bon. Ah, lequel t'as pris? Celui avec la. Voilà. Tu veux aller de l'autre côté, Flo? Non, ça va, je regarde de loin. Tu sais, tu tues jamais les poules? Non, je tue pas les poules. D'accord. Je tue pas les poules. T'as vu? Là, vous faites quoi? Vous enlevez le sang? Le sang? Il faut le saigner, c'est ça. Vous la saignez. Et vous allez bouillanter cette poule demi-morte dans le... Non, il va attendre, là, il va attendre. Il y a de la poule partout. Oh. Julie va tourner de l'œil. Hein. Non. Mettez la patte avec, monsieur. C'est pas mort. Je crois que c'est fini pour moi le poulet rôti du dimanche. Ouais, elle est morte. Pas de problème, monsieur. Cassez-vous, les filles. Merci, au revoir. Allez, monsieur. Ici Julie. D'accord. Tiens, donne. Est-ce que vous saviez qu'il existe du café français? Et oui, c'est même un excellent arabica qui pousse ici sur les collines de La Réunion. Alors en fait, ça a été la première culture implantée par les colons au XVIIIe siècle pour abreuver les salons justement du XVIIIe qui en étaient très friands. Et tout ça jusqu'à ce qu'un cyclone décime complètement les plantations. Et maintenant, on a remis en culture un café qui s'appelle le café Bourbon Pointu. Et on va justement aller suivre une productrice de café, Maximilia, qui est en train de récolter les derniers grains de la saison. Jamais vu un caféier de près. Eh bien, allez-y, regardez-le bien. Vous voyez? Et comment faut-il que soient les grains pour qu'ils soient bons à cueillir? Alors, je vais vous montrer ici. Alors, c'est les rouges ou c'est les verts? Il faut les cueillir quand ils sont de cette couleur. Ah, rouge, d'accord. Rouge, mais rouge bordeaux. Regardez. Tomber sur un gisement. Celui-là, normalement, c'est de cette couleur. Quand elles sont en pleine maturité, il faut qu'elles soient de cette couleur pour qu'il y ait de la qualité. Et moi, ils sont carrément marrons? Celle-là, elle n'est pas bonne. Ah parce bon que à la dégustation, on va trouver qu'elle a été fermentée, que le fruit a été trop mûr. Et si je goûte comme ça? Vous pouvez le goûter, c'est il vrai est sucré, il y a eu la sucré pulpe, oui. Déjà, j'aime pas le café en principe. Mmh. Mais la pulpe, elle est sucrée. Mal, Parce que le café, le grain, elle est à l'intérieur. Oui, c'est d'accord pas mauvais. Et à la pulpe. Ah, d'accord, oui, évidemment, parce qu'on garde ce grain. Séquence blonde. Et pour pousser le Bourbon Pointu à son point d'excellence, la coopérative a engagé un spécialiste. La fabrication reste on ne peut plus traditionnelle. Bonjour, comme à votre visite. Vous êtes Frédéric? Oui, je suis Frédéric. Alors on m'a dit que le grand caféologue serait là ici en train de préparer le café, enfin préparer le café. Transformer en tout cas la cerise en grain, c'est transformer, ça? Transformer, voilà, le produit de base. Bien qu'il y avait des cacahuètes ici à La Réunion. À La Réunion, on appelle ça des pistaches, les cacahuètes. C'est vrai? Oui. Ah bon? Oui. Et ça, on appelle ça comment alors cette étape-là, ça, c'est du café en parche. Ça, c'est du café en parche. C'est-à-dire qu'après la phase de fermentation, on fait plusieurs lavages. De toute façon, éliminer tous les débris de pulpe qui peuvent rester, les impuretés. Et puis ensuite, on les met à sécher. On est obligé de faire du 100% séchage solaire.
Séchage solaire. Séchage solaire. C'est dans la charte, le cahier des charges du café Bourbon. Voilà. C'est ça. Et de plus en plus, maintenant, ça devient une des exigences indispensables. Le fait qu'il sonne comme ceci, on va pouvoir le tester. Je pense qu'il est déjà suffisamment sec. Quoi. Monseigneur, il est 8 ans. Une fois secs, les grains sont ensuite déparchés, c'est-à-dire débarrassés de leur enveloppe. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il faut après les torréfier, évidemment, pour exprimer au maximum leur arôme. Puis vient la mouture pour obtenir la farine de café, comme dit Frédéric. Un jury est ensuite chargé de tester les différentes productions locales pour les qualifier et les classer. J'ai appris à cette occasion que le meilleur café était fait à la cafetière à piston, en infusion et non pas au percolateur. Comment procède-t-on alors pour préparer le café idéal? Donc on met 70 g de mouture pour 1 litre d'eau. Ouais. On fait chauffer notre eau à 95 degrés Celsius. C'est très important de ne pas atteindre les 100, c'est ça? Oui, à partir de 97 degrés Celsius, toutes les saveurs qui sont des molécules acides sont détruites par la température. C'est comme le thé, hein? Exactement. En principe, le thé, l'eau ne doit pas bouillir. L'eau ne doit pas bouillir. Alors, est-ce que je peux goûter quand même? Parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche. Justement, je crois qu'ils ont servi une tasse et vous allez pouvoir participer. On va vous nommer dégustateur. Il y a des isoloirs et tout ça, c'est ça? Voilà. Pour bien se concentrer sur le produit. Exactement. Et devant vous, vous avez une fiche qui va vous permettre de décrire ce que vous percevez en bouche sur chacune des tasses. Donc vous avez 0 étant pour l'intensité aromatique, ouais, aucun arôme. D'accord. Et 5 étant très forte intensité. Ça c'est facile, mais en revanche, après pour la qualité, ligneux, qu'est-ce que c'est que ligneux? Ligneux, c'est un goût de, comment dire, de paille. Ah, une saveur de paille. Ah oui. Mettez-nous, notez la préférence. Notez la préférence déjà. Le bruit, c'est l'aspiration, c'est pas quand on crache du bol vert. C'est pas évident. Aigre. Ah oui, un peu aigre. Un peu aigre. Non, d'ailleurs, aigre. Aussi aigre. Je me perfectionne sur le. La chinoise. Alors sur la tasse 1, pour moi vous êtes trop fort en qualité aromatique, c'est du 2. Encore, il est très très équilibré, donc là on a le choix entre un 2 ou un 3. Je vous prends la feuille comme ça on va voir si c'est mes réponses qui vous influencent. Alors intensité aromatique. Intensité aromatique. Intensité aromatique. Non, moi, je note. Je vous écoute. Intensité aromatique. Entre 1 et 5. En intensité, je peux plus la donner là. En qualité, moi je mettrais un 2. Encore, je mettrais un 3. C'est Jérémy. En acidité, je mettrais un 2. En amertume, je mettrais un 1. En astringence, un 1. Pas d'aigre. Astringence, combien vous avez dit ? 1. Ouais, j'en ai 1. Et aigre. Je mettrais là, si je mettrais un 2 en fruité aussi. Non, aigre. Non, il n'y a pas d'aigre. 0, je l'ai mis. Ça sert à rien, je vous confie ma petite fiche. Je vais la garder comme souvenir, je pense. Merci pour cette leçon de dégustation. C'est aux producteurs de la coopérative qu'il faut dire merci pour leur excellente production. Merci, Maximilien. Merci à vous. Bon, on a rien oublié. Je fais le balai avec mes yeux, là. Et les feuilles de banane, on a oublié. Ça, rien oublié. Maman, tu viens? Aujourd'hui, Doria m'a invité à un pique-nique. Ici, c'est presque un rituel, le rituel du dimanche. On monte dans les hauteurs, à la fraîche. Là, on est en famille et surtout, on cuisine en plein air. Après, il faut un bras fort pour porter la grosse marmite à riz. Ah oui, on va essayer. Quand vous dites marmite, c'est pas de la marmite de petite fille. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du riz maïs. Du maïs mélangé à du riz. Des grains de maïs, quoi, hachés, oui, c'est voilà. Ça moulu. On ne mangera jamais de pain avec un curry, ni avec un saucisse. Comme on mange toujours des curry. Voilà. Toute la journée, voilà. Tous les jours, y compris le dimanche. On préfère notre riz. Et on a des invités à midi ou quoi? C'est comme ça. Bah, moi, déjà, moi, je mange la moitié de la marmite. Hein. Ma réputation me précède.
Allez, c'est parti. On n'est jamais mieux qu'avec une marmite sous les pieds. C'est un peu chaud, mais en même temps, tu vois, il doit faire 38 degrés. Les grains qui viennent cuire. D'accord, les grains vont cuire, moi aussi d'ailleurs. Et nous voilà partis à la queue leu-leu pour grimper sur les flancs du Piton Maïdo, la montagne qui surplombe Saint-Gilles. L'appel de la fraîcheur est irrésistible. Et rares sont les familles qui ne sortent pas pique-niquer le dimanche dans les hauts, comme on dit ici. Tiens, on dirait que les cousins ont déniché le petit coin de verdure idéal. Il y a du monde déjà. Bonjour. Alors, il y en a que je connais. Et d'autres pas. Bonjour. Bonjour. Fanny. Bonjour. Ça, c'est pour hacher les tomates tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est pour le café. C'est les feuilles de bananier en nappe. J'adore. Tu trimbales ça, mais ça fait 30 kilos. Tu vas voir qu'on a besoin de ça. Ça te surprend, mais c'est comme ça chez nous. Pour vous aussi, alors ça, c'est indispensable. Ah, mémé. Sinon, il n'y a pas de bonne cuisine avec sans ça. Dedans, il y a poivre, girofle, un petit peu de muscade. Ah bon? Calme. Vas-y. Ben oui, mais regarde, si je fais ça, ça saute. Tu gères avec la main gauche. Écoute. Non, non. Ta main gauche sert de paravent. Tu vois? Et ça ne va pas voler. Donc en fait, le pique-nique traditionnel, c'est le curry. Donc ça peut être le curry de crevettes, le curry de canard, le curry de poulet. C'est le rougail. Oui, un rougail pour accompagner. Alors il y a deux types de rougail, il y a le rougail cru et le rougail cuit. Oui. Le rougail cru, c'est la petite sauce avec les tomates, les oignons, les piments. Le rougail mince, voilà, rougail ça c'est une sauce pour nous. Mais... Voilà, c'est comme salade. Un condiment à côté. D'accord, comme un achar. Et voilà. À côté, il y a le rougail cuit avec la saucisse. Ça, voilà. C'est un vrai plat mijoté. Plat mijoté, alors dans d'accord. Les plats cuits, il y a rougail saucisse, rougail morue, rougail senou, rougail boudin aussi, on peut faire. Et d'où ça vient ce mot rougail? On ne sait pas, c'est haïtien, c'est chinois, on ne sait pas, c'est déformé. Ça, on dit réunion. La réunion, c'est la réunion de toutes les influences. De toutes sortes de choses. Voilà. C'est vrai, c'est venu bien. C'est bien sûr. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je suis persuadée. C'est comme ça que tu le prends. Bah, évidemment, on regarde déjà les familles, il y a une réunion dans les familles, des gens qui viennent de partout. Déjà moi, mon père est d'origine à la racine, d'origine malgache. Et si je prends du côté de ma maman, mon grand-père maternel, c'était un blanc aux yeux bleus. C'est vrai? T'es presque la réunion à toi toute seule. Oui, à moi toute seule, oui. Et je continue. Bah oui, puisque tu t'es mariée avec un croate. Voilà, donc mes enfants, c'est encore plus de mélange. Quoi. Et tel on est dans les familles, bah, dans notre cuisine aussi. Bien sûr. S'il y avait à désigner un plat emblématique du métissage réunionnais, ce serait assurément le rougail. Quel que soit l'ingrédient utilisé, il comporte à peu près toujours la même base de condiments. Oignons hachés, piments pilés avec du sel et tomates concassées. Ah non, il ne faut pas tourner là. Ah bon? Tu étales dessus comme ça. Et pourquoi? C'est pour garder les humidité. Parce que ça va cuire la tomate. Ça va pas faire la crème pareil. C'est mes habitudes à moi. Mais c'est ça la cuisine, tu sais. Hein. Là, tu vas c'est voir, plus que des recettes. C'est surtout un tour de main, l'expérience. C'est un tour de main, c'est l'habitude à savoir-faire. Voilà. Ça, c'est ça que c'est qu'ils ont. Ça ne peut pas se transmettre autrement que par l'expérience et par le mimétisme. Voilà. À table! Allô, allô! À table! Allons chercher les rougailles. Mais oui, bien sûr! Oh là 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 là! Ça sent bon, Julie? Oh, ça sent meilleur que moi. Ça sent la réunion! Ah ouais, la réunion profonde. Et ça, c'est quoi? Salade de carottes? Salade de carottes, oui. Jolie. Carottes et quoi? Voilà. Et vermicelle, c'est ça? Exactement. Ah oui, là, on retrouve la Chine un peu, hein? Ouais. L'influence chinoise avec les vermicelles. Bah, tu vois, c'est pas peur de tâter, hein, c'est pas. Ah, je n'ai pas peur de tâter. Alors là, en fait. Regarde, tu fais comme ah, ça. Oui, et comme tu... à la marocaine, ouais, enfin voilà, à l'indienne et aussi. Et on pousse avec le pouce. Avec le pouce. Et dans la bouche. Mmh.
C'est meilleur. Hein. Et tu verras que le goût est meilleur. Ce que je trouve, c'est que c'est très équilibré, très contrasté dans les saveurs. Rien n'est là au hasard, tu vois. C'est... Tu t'es réfléchi. Oui, il y a vraiment... C'est une vraie composition. Il faut que le mariage soit homogène, voilà. Équilibré. C'est la réunion. On est réunis, là. Mais en tout cas, je peux dire que ça me donne envie de continuer mon voyage. Parce que je vais de surprise en surprise. Ah, bah c'est bien. Et quoi qu'il en soit, l'île de la Réunion mérite vraiment son nom. Aventure à l'est du pays. Ici, on est à l'embouchure de la rivière des Roches. Et c'est un coin un peu stratégique parce qu'on y pêche le fameux bichique. C'est un peu le caviar réunionnais. En fait, ce sont les alevins d'un poisson ventouse, qui est un poisson d'eau douce. Et les œufs vont être transportés par le courant jusque dans la mer. Et après l'éclosion, les petits alevins vont remonter pour aller se protéger dans les eaux douces de la rivière. Et alors justement, c'est ici qu'on va tenter de les attraper. Les canaux que vous voyez ont été dressés par les pêcheurs. Ils se négocient à prix d'or. Donc c'est vous dire si on vit un moment vraiment très très intense. Puis j'espère qu'il va être rapide parce qu'il commence à pleuvoir sec. Hein. Ça, c'est le caviar. Ça, c'est le caviar. Ça coûte très cher. Ça coûte combien, à peu oui, près? Oui, ça, c'est le plat plus cher ici. Plus cher ici, là. Mais ça coûte combien, le kilo? Il arrive 30 euros, là. Il arrive jusqu'à 40, 50. Ah oui, 50 euros. Et donc, une grosse pêche comme ça, c'est une fois par an seulement? Oui, une fois par an. Eh bien, ça valait le coup de mouiller sa chemise. Oh là là, ouais, là, il y en a beaucoup. Mais voilà, chez nous, on a des petits alevins comme ça qui s'appellent les pibales ou les civelles. Les civelles. Et ça coûte très cher aussi. Ouais. Et on les fait avec l'huile d'olive, l'ail, le piment. Et c'est très bon, on les fait sauter. Vous faites en carie, évidemment. Mais en fait, chez nous, ça n'a pas beaucoup de goût, ces petits poissons. Ici, ça a du goût. Oui, c'est bon. Ouais. Mais alors... lâcher, puis si vous voulez, vous venez à la maison, je vais faire un carie. C'est vrai, je peux? Oui. Ah, ben volontiers. Oui, voilà. Alors ça. Ah, ça se mérite, les bichiques, hein. Céline ? Merci, hein, la serviette, c'était pas du luxe. Hein. Ça y est, je suis à peu près sèche. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, je vais nettoyer les bichiques. Il faut les nettoyer. Ah oui, il faut les laver parce qu'il y a beaucoup de la paille. Des petits galets, des petits cailloux. Des petits rochers, des petits cailloux, voilà. Et vous les faites jamais en friture? Non, jamais. Non. C'est trop petit? Non, ben nous on fait toujours en carie. Toujours en carie. Voilà. Vous faites tout en carie ici? Ici, hein. Oui. Alors vous mettez de la tomate, de l'ail. Oui, de l'ail. Des oignons. Des oignons, du piment. Du thym. Et du gingembre. Et du safran. Il est où le safran? Ben il est là-dedans. C'est ça? Et curcuma. Voilà. Safran et curcuma. C'est ça. Non, nous on appelle ça du safran. Ah oui, c'est du curcuma. Et vous appelez ça safran? Oui. Ah oui. Et voilà. Tiens, c'est drôle ça. Oui.
Qu'est-ce qu'on met? Un peu de sel, non, pour piler l'ail? Oui, voilà, du gingembre. Comment vous dites? Gingembre. Du gingembre? Oui. Le gingembre, oui. On le pèle pas? Non, moi je pèle pas, non. Non, mais il est très frais ici en même temps. Chez nous, il est un peu plus sec. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Les piments? C'est du piment. Je peux goûter? Goûter. Ils sont surgelés? Oui, ben, vous les gardez surgelés? Ouais. Ils sentent bon, ils sentent le poivron vert. Oui, mais c'est fort. Hein. C'est très très si vous fort. Goûtez, c'est fort, hein. Et alors chez nous, en fait, quand on fait un curry, on dit plutôt curry, nous, on utilise plutôt le mot anglais, on prend souvent de la poudre. Ah, d'accord. Ici, on fait toujours le mélange frais. Frais, bah, parce qu'il y en a beaucoup. Là, vous allez chercher les deux feuilles de quatre épices, là. Ah, c'est ça, les quatre épices? Allez, tu peux l'emmener là-bas. Ah. Deux feuilles, hein, deux grosses feuilles. Tu me fais sentir? Elles sont jolies, ces feuilles, hein. Ah oui, c'est vrai, ça sent les épices. Donc ça vaut pour tous les currys, hein, on est d'accord. On fait chauffer l'huile, on met les oignons, le piment. Après, quand ça sera doré, on mettra ça. D'accord. Ça cuit en combien de temps le curry de Bichic? Dans à peu près 10 minutes. Ah, c'est rapide, hein? Ah oui, c'est pas dur, ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met la tomate? Oui, mais je préfère prendre le safran. Tout. Voilà, Clac. C'est bon. Ah, ça va prendre une jolie couleur, alors. Ah ben oui. Et on continue. Je mets tout? Je mets le thym aussi? Le thym avant. Après, là, vous tournez. Ah, l'ordre est très important, non? Ben, il est où, le quatre épices? Il faut mettre avec du thym. Il est là. Voilà. Ah, il faut mettre les herbes en même temps, d'accord. Et ça change vraiment quelque chose, l'ordre? Le goût, oui. Parce que si on avait mis les tomates, ça aurait été trop liquide et ça aurait pas rissolé, c'est ça? Voilà. Alors, on met les tomates, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà, là, maintenant, Maintenant, c'est bon? Oui, on ne veut pas plus attends, que... Attends, attends. Non. Si. Ben, voilà. On fait mijoter. Voilà. Voilà, on va laisser une petite minute. Ça fait combien de temps que vous faites le curry de Bichic? Chaque fois qu'il y en a. Ah, oui. C'est votre maman qui faisait le curry de Bichic? Oui, même nous, à 14 ans, on savait faire le curry de Bichic. C'est vrai? Oui. Tu peux te mettre sur les rangs, alors? Oui. Non, on va tourner un petit peu, mais pas comme ça. Ah, alors montrez-moi. Allez, voilà, nous, on fait comme ça. Ah, avec le dos de la cuillère, et il faut soulever. Sinon, on les écrase. Voilà. Ah, il y a de la technique, hein. Voilà. Bon, alors le test de cuisson, c'est quand il n'y a plus d'eau au fond de la marmite. Hein, voilà, c'est ça. Quand il n'y a plus d'eau, c'est bon. Alors là, c'est bon. Voilà, on peut éteindre le feu. Et puis, ben voilà, c'est prêt. Je peux goûter quand même? Ben, bien sûr. Vas-y. Et c'est chaud, hein. Goûte parce que toi, tu as l'habitude. Tu vas me dire si on l'a réussi. C'est chaud. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est réussi? Ouais. Je suis pas sûre que je préfère pas encore la sauce de la cuisinière aux poissons eux-mêmes. Parce que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup de goût en soi, un peu comme nos escargots. Mais alors, le tout mélangé, c'est très très bon. De toute façon, la question se pose pas pour moi, parce que j'ai pas de Bichic à la maison, donc je le ferai aux crevettes. Ben voilà, c'est pareil, c'est... Merci Coralie. Voilà. Tu me fais un bisou? Merci Céline. Pour cette invitation. T'as pas de quoi, enchanté, ça me fait plaisir. Eh ben moi aussi. Voilà. Vraiment, j'ai appris une bonne recette. Puis alors ça, je le trouverai pas mieux. Le curry réunionnais a cela de différent des currys indiens ou mauriciens qu'il est constitué pour l'essentiel d'une épice, le curcuma. Mémé Rivière en est le spécialiste. Il cultive et transforme les plantes pour obtenir cette poudre orangée qu'on appelle ici safran pays. C'est ici votre chambre? Voilà. C'est ça le curcuma? Voilà. Venez avec moi. Je viens. Les cailloux. Ah, il y a des fleurs. Ah oui, là c'est la période où sortent les fleurs. Là, la fleur, elle va, dans une quinzaine de jours, elle va carrément mourir, quoi. Oui, je vais vous l'offrir. Ah, je vous remercie, je suis très touchée. Et il y a le jaune qui rappelle la couleur du curcuma. Le curcuma, oui. Là, vous trouvez le goût du curcuma. C'est quoi? C'est dans cette petite fleur, là. Oui. Ah, à l'intérieur, les petites pétales. Oui, le petit goût de curcuma. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, en plus fleuri. Voilà, justement. On pourrait l'utiliser également en cuisine. Entre le lys aussi, et le curcuma. Ça, vous voyez, on pourrait l'utiliser. Ah ouais, dans un petit sorbet, ça passe également, ça. Hein. On peut le manger comme en ça. En salade. Ouais. Bon, alors, ça, du coup, déco en salade. Et alors, la racine, c'est un rhizome, le curcuma? C'est un rhizome. C'est comme le gingembre? C'est comme le gingembre, d'ailleurs. Bon, c'est la famille des gingibéracées. Ah ouais, je les vois. Alors donc ça, on appelle la mère.
La mère. Et ça, c'est les doigts. La mère, donc, c'est le gros bulbe. Le gros bulbe. Et les enfants, ce voilà, sont les doigts. Voilà, c'est les petits. Puis moi, j'adore les fleurs, en tout cas. Il va repartir. Puis d'ailleurs, j'attends le curcuma. C'est vrai, hein, c'est une épice que j'utilise beaucoup dans ma cuisine. Avec le lait de coco, c'est très bon. Ah, mais ça, je connais pas. Ah oui, et avec le potiron. Vous savez, souvent, les aliments qui ont la même couleur se marient très bien en saveur. D'accord. Avec le potiron, c'est très bon. Soupe au potiron, lait de coco et au citron vert. Et au citron vert. Curcuma aussi. Ah bah, évidemment. Cela va sans dire, sinon j'en parlerai pas. Regardez, parfois, il y a des petits cailloux. Oui, en effet. C'est Rosane et Gisèle. Bonjour mesdames. Bonjour. On va carrément enlever cette peau-là. Et vous le faites sécher ensuite. Ensuite, voilà. Lui, il sera séché pendant 9 jours. En le faisant épais, en le séchant pendant longtemps, on va obtenir un maximum de curcumine. Et qu'est-ce que c'est la curcumine, en fait? La curcumine, c'est ce qu'on voit là-dedans. C'est l'huile qu'il y a. C'est les composants du curcuma. Voilà. C'est ça. Et c'est ça qui est un excellent antioxydant, qui protège le foie, enfin, qui a toutes les vertus, anti-cancer et autres, c'est la curcumine. La curcumine. Là, on fait les doigts, là. Vous allez mincer les doigts. Vous voyez? Donc, c'est cette petite machine, là. Voilà. Mais dites donc, c'est du dernier cri, ça. Ah oui. Hein? C'était quoi au départ, cette machine? Alors ça vient de Métropole, c'est un hache patate. Un hache patate pour faire la... Ouais, les betteraves et tout. Celui-là, on l'a fait hier. Par contre, nous avons de l'autre côté. Ah, ça, c'est le sec. Le sec. Il a fait ses 6 jours. J'ai pris le soin de le couvrir un petit peu parce que le temps n'est pas prometteur du tout. Hein. Non. Et il ne faut pas qu'il prenne de la flotte. Vous voyez, là, il a déjà là, séché. Là, il est tout sec. Voilà, il a séché, là. Ouais, donc là, on va pouvoir le pulvériser. Oui. Ça me rappelle un peu le tabac frais. Pourtant, j'aime pas ça, je fume pas, mais côté fumé un peu. Mmh. À quoi vous l'apparentez? Un peu de noisette aussi? Je sais pas. Vous savez pas? Vous avez toujours vécu avec? Toujours. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Où est-ce qu'on le met? Il va le descendre, mais... Olivier, tu peux prendre par ici, s'il te plaît? Ça va. Une fois sec, ou presque, le curcuma doit être pulvérisé. C'est là qu'il va devenir la poudre d'or de la Réunion. Mamie. Moi, c'est Julie. Et puis, il y a Karine. Karine, bonjour Karine. Bonjour. Et là, vous avez carrément été récolter des fleurs, alors, du coup. Peut-être qu'on va pouvoir essayer une salade, comme je te le disais, dans le champ. Dans le champ, oui. Ouais, tu crois, ça vous tente? Hop. Et ça, c'est quoi? Gingembre mariné. Allez, c'est parti. Allez, un petit tronc aussi. Oh, total. Guette commence à l'arrivée. Bon, alors là, si j'ai bien compris, on assiste à un événement. La toute première salade de feuilles de curcuma, de fleurs de curcuma, dégustée ici, sur l'île de la Réunion. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, hein? Super, le parfum. Ça se marie très bien avec le gingembre. Hein. Ouais. C'est vraiment très subtil. C'est
c'est fraîche, c'est très très bon. Alors mamie, ça vous plaît? Ben, 78 ans, c'est la première fois que je goûte. Non. Et alors, est-ce que ça vous plaît? Ben oui. C'est vrai? Mais oui. Vous allez le refaire? Mais lui, il est PVST seulement. Bon, c'est Il les avait toutes carottées. Il les mangeait dans le champ. Oui. Et il vous en avait jamais rapporté. Non, heureusement non, que voilà. J'ai surveillé. Hein. Voilà. Ah non, mais attendez, vous vous rendez pas compte, là. On vient de mettre le doigt sur une énorme spécialité. Ça va relancer l'économie de l'île. Mais les la feux, gastronomie, tout. Les feux gâtent trop bien, ils sont ici. Il y aura trop mangé. Mais il veut dire, vous, de temps en temps, on va faire des salades comme ça. Hein. Ah. Je peux vous dire que dans la métropole, ils vont nous envier. Hein. Ah, c'est trop bon. Nous, on avait les fleurs de courgettes et vous, vous avez les fleurs de curcuma. Ah, merci, mamie. Je vous embrasse. Bonne prochaine fois. Une prochaine fois. Au revoir, Karine. Merci beaucoup, mémé. Voilà. Et bah, merci de m'avoir fait voir la vie en jaune. La vie en jaune. Bah, votre vacances et vos voyages, on doit partir. Merci. Je continue ma route et je vous attends à Paris. D'accord. Au revoir. Merci de votre accueil. J'en vive avant, ben dans le moulin, la pluie ou à caillan, ben descend, la tisane des ans, dans le boucané, tout ma rouge, va faner, dans le vieux grec le temps. Ça mon blouse y coule dans le boucan. Ma van la gamasse, mon malheur y a l'amour. Ta goutte qu'un main le clé la cour. À présent, nous prenons la direction de Grand Place, un village situé au cœur de l'un des sites les plus impressionnants de l'île, le cirque de Mafat. Sanctuaire des nuages, cet immense vallon n'est accessible qu'à pied ou par les airs. Bon bah ça y est, on y est, dans le cirque de Mafat. C'est très impressionnant en tout cas. Il y a tout au plus 10 petits hameaux où loge une dizaine de personnes à chaque fois. Il y a un gîte et c'est là qu'on va dormir. L'aventure commence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire? Oui. Bonjour Julie. Oui, c'est Benoît, ouais. Vous êtes la bienvenue au gîte, le pavillon. C'est incroyable ici, hein. C'est impressionnant. Merci. Et vous habitez là toute l'année? Toute l'année, ouais. Oh ouais. Là là, ça vous dérange pas que je reste? Oui, vous pouvez aussi. Ça fait longtemps, hein. 2 ou 3 ans. Ouais, il y a de la place, t'inquiète pas. Juste le temps d'écrire mon œuvre. Ouais. Quand même, hein. Tout ça pour tuer le cochon, donc notiez l'effort. Où que l'on soit dans l'île, on ne déroge pas au rituel du boudin maison. Chaque région a sa recette. Et j'ai bien l'intention de suivre celle de Mafat dès le commencement. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour le cochon? Oui. Ah bonjour Benoît, je vous avais pas reconnu. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ouais, ça va, ça va. Bien dormi? Oh, un peu trop quand même, j'ai traîné ce matin. Ouais. Petit déjeuner au lit, tout ça, j'aurais pas dû, j'ai abusé. Alors ouais. Là, qu'est-ce que tu fais? On va pas les herbes pour le boudin. Patate douce. Patate douce? Ouais. C'est-à-dire patate douce? Les feuilles. Les feuilles de patate douce? Ouais.
Ah oui, ok. Et alors le petit cochon là, c'est ce matin que vous allez le tuer, c'est ça? Oui, ce matin, oui. On va laisser l'eau chauffer. Et puis... Oh, on peut faire un petit thé justement avec l'eau qui chauffe. Et tu veux un thé? Il n'y a pas de problème. T'as peur toi de venir voir le cochon qu'on tue? Elle a l'habitude. Vous êtes obligé de tuer le cochon si tôt le matin? Oui, oui, parce qu'après, à l'heure du soleil qui arrive, il y a les mouches, ils embêtent un peu, on ne veut pas ça. Ah, il y a les mouches, d'accord. Et avant, ce soir... avant le lever du soleil, il y a voilà, pas de mouches. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Oh, elles se font un baiser d'adieu. C'est terrible. Et dire que tout ça va se transformer en boudin créole, dont en je me boudin, délecte. En saucisse. En saucisse. En andouille. Ouais. Et râle, j'ai fait 10 000 km pour pouvoir égorger un cochon à 5 heures du matin. La tête. Mais parce qu'il faut mettre de l'eau chaude pour enlever le poil. Voilà. Dans une demi-heure ou une heure, il sera tout épilé. Voilà. Il n'y aura plus de poil. Ce serait bien si on pouvait faire ça sur les jambes des filles. Eh oui. Je ne suis pas la seule à être un peu effrayée par ce sacrifice pourtant séculaire. Après avoir été saigné, le cochon est débité très rapidement. Pour le boudin, on sélectionne les boyaux, qu'il va falloir ensuite vider et laver à l'eau de source. Franchement, c'est une première pour moi. Mais on s'y fait vite. Et puis, l'idée de déguster un vrai boudin créole préparé en famille, je peux vous dire que ça motive. La panne. Donc en fait, dans le boudin, tu mets, à part le sang et la graisse de porc, tu mets quoi? De l'ail. De l'ail, de l'oignon, des salottes. Échalotes aussi, ouais. Pareil, haché comme ça, pilé. Non, pas pilé, haché. Haché, en petits morceaux. Voilà. Après, les feuilles de la patate douce. La patate douce, on met du thym vert. Du thym. On met du sel, évidemment. Ouais. Et puis du piment, non? Voilà, du piment, vous trouvez goût. Du piment, beaucoup. Sinon, il sera pas bon s'il n'y a pas de piment. Une petite tige d'oignon, là, la cive. Allez, hop. Bing. Allez, je fais. Super. Donc, on va rajouter du piment. Ouais. Antoine. Vas-y. Attends, je suis en train de... Voilà, tu mets le sang dedans. Voilà. Et là, tu vas refaire cuire sur le feu? Non, là, on laisse comme ça. Tu laisses refroidir avant de mettre dans les boyaux. Refroidir un petit peu, on met dans les boyaux après. Et c'est là, il va cuire avec l'eau chaude. Tu vas les faire cuire à l'eau. D'accord. Voilà. Parce que là, il reste que le sang à cuire après. C'est ouais, l'herbe, elle est sûr, cuite. Bien sûr, le reste est cuit, oui. C'est important de pré-cuire, en fait, toutes les aromates. Voilà. C'est bon, là, tu crois? Oui. Il faut continuer de tourner. Tu fais comme ça, tu prends la tripe. Ouais. Tu mets comme ça. Uh-huh. Et ça, après, on l'attache à la fin. T'arrives? Oui. C'est bien, ça fait campagne de prévention en même temps. Tu fais comme ça. Tu vas voir, c'est simple comme tout. Hein. Voilà. On peut le voir comme ça. Alors. Par exemple, si c'est pas chaud, tu fais à la main comme ça. Regarde. Tu vas plus vite. Tu enfonces bien ton doigt, voilà, comme ça. Ah, ça y est, ça rentre. T'as vu, t'as compris.
Oui. Ensuite, tu ficelles, c'est ça? J'ai mis une ficelle pour attacher le bout. Tu l'attaches? Je l'attache avec le même? Comme ça, d'accord. Voilà. Tiens là. Tu tiens? Ouais. Je tiens et vas-y. Voilà, et c'est bon, tu l'attaches. Ah, c'est ici la marmite? Fais attention, mets-toi là. Parce que là, il y a la braise qui est chaude. D'accord. Pourquoi t'as mis les feuilles de bananier? Ben, pour pas que le boudin touche la... Ah, les parois. Voilà. Pour pas que ça éclate. Voilà, c'est ça. Tu mets le pain. Alors, fais attention, il y a une braise qui va te brûler. Ah, là. T'as raison. C'est ce que je t'avais dit. Hein. Ah, je marche sur les braises. Ouais. Donc là, combien de temps? Ben, il faut au moins une demi-heure. Et voilà, le fruit de nos efforts. Surtout les vôtres. Alors le boudin, c'est l'apéritif, hein? Oui, c'est bon, alors, on va faire, ouais. C'est comme ça que ça marche? Ça, ouais. Hop. Ah ouais, dis donc, c'est impressionnant. C'est vraiment un boudin aux herbes. Ouais, ouais. Tiens. Ah, c'est étonnant. Pas trop fort, c'est bon? Non, c'est très très bon, mais c'est quand même très différent de ce que je connais. Les herbes sont très présentes, ouais, hein? Ouais, le goût, on sent, hein? Ah ouais, vraiment. Oh là là. Je regrette que vous puissiez pas goûter, hein. Je peux vous dire que c'est bon, parce que... Ouais. Le boudin... C'est bien, mais le boudin créole, j'en raffole. Après ce slogan monumental. La porte est ouverte, hein. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, c'est gentil. Ouais. Merci. Merci, ouais. Claudette. Et ben voilà, pour jeter sa cadeau à La Réunion, c'est fini. Merci à tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes, leurs recettes, leur cœur. Et puis, ben, on se retrouve pour le prochain pays. Et en attendant, moi, j'en perds pas une miette. Il est cochon, il peut marcher aux affaires. Est-ce qu'il peut...